for me to stay the whole month, yeah. Dans le nord des Philippines, voilà 13 ans que Jean-Paul Lefebvre sillonne la cordillère de Luzon. Son métier, chasseur de trésors. Il cherche les trésors cachés par les troupes japonaises d'occupation à la fin de la dernière guerre. Qui est Jean-Paul Lefebvre? Un exilé involontaire? Un déserteur de la société occidentale? Un homme qui cherche à oublier son passé? Un peu tout ça en fait. En 1945, le général Yamashita, chef des armées japonaises, ne savait pas qu'en enfouissant son butin, il ferait 50 ans plus tard de Jean-Paul un homme heureux. Jean-Paul n'est pas fou. Il participe à cette frénésie collective qui incite des milliers de Philippins de toutes conditions à manier la pioche et la dynamite. Les Igorotes, habitants des montagnes de Luzon, l'ont adopté, l'ont initié et lui ont appris comment déjouer les pièges posés par les Japonais pour protéger leurs trésors. Pour nous, Jean-Paul reprend la route de la cordillère sur les lieux de ses premières recherches. Grâce à Jean-Paul, nous pénétrons dans des villages et des maisons où peu d'étrangers ont accès. Certains villages sont même tabous. Les dangers sont multiples, les pluies torrentielles et les glissements de terrain quotidiens. Bon, ceci constitue mon dossier. 12 années de recherche sur le trésor, sur les trésors du général Yamashita. Mon premier cahier, la photo du général Yamashita. Ma carte d'association de chasseurs de trésors, TAPI, Trésor Hunter Association de Philippines. Alors, chasseurs de trésors, c'est une drogue, c'est comme les gens qui jouent au tiercé, qui jouent aux cartes, qui mettent de l'argent, parce que la chasse au trésor, celle que je connais aux Philippines, vraiment, il y a des gens qui sont ruinés, il y a des gens qui ont perdu la vie, il y en a qui ont perdu leur femme, parce que les femmes en ont marre d'attendre le bonhomme qui dépense la monnaie. Mais de mon côté, le vrai problème des chasseurs de trésors, c'est ça. Ils pensent trop aux barres d'or. Ils pensent pas au problème qu'il y a entre les barres d'or et eux. Donc à partir du moment... Des fois, je creuse, je me suis aperçu que je creusais, puis d'un seul coup, je me dis, mais au fait, c'est vrai. J'ai complètement oublié que à chaque fois que je soulève une pierre, d'abord, je sais que je trouverai pas d'or. Je le sais déjà. Donc il va falloir trouver tout un système qui me guide, un fil d'Ariane qui vous guide jusqu'au trésor. On est à peu près ici, à 3 km avant Bontoc. C'est un des premiers ponts avant Bontoc. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ici, il y avait une garnison de Japonais, à côté du pont et dans la montagne et dans les criques. Les Japonais restaient près des torrents pour pouvoir se laver, pour boire, et aussi pour utiliser cette eau pour camoufler certains trésors avec du ciment, ou comme on dit dans les chasseurs de trésors, avec un produit chimique que j'ai vu déjà plusieurs fois dans plusieurs régions. Je vous fais voir que quelques pages, car ceci appartient au Trésor Hunter Association de Philippines, dont le président est M. Al Umali. On voit bien, Trésor Marking, signe, code, symbole. Je vais quand même vous en faire voir quelques-uns. On retrouve ces marqueurs sur les rochers, et on peut les retrouver sur les cartes.
Par contre, ici, il y a le code du général Yamashita. Alors, d'autres marqueurs. Des croix sur des pierres, une grosse tête de serpent. L'œil indique l'endroit où creuser. On retrouve un autre marqueur. Des espèces de tortues. Un espèce d'oiseau. Que ce soit des petits trésors ou des gros trésors, ils sont toujours divisés en trois. Ceux-ci, ce sont des marqueurs qui indiquent où il faut creuser, avec des trous. Voilà. Alors ici, on voit bien que c'est une tête, une grosse tête d'animal avec un œil, le nez, la prééminence de l'autre œil. Cet œil regarde dans cette direction. Ici, on peut voir une tête de serpent. Et en plus, les Japonais ont choisi une pierre avec des dessins et qui fait la peau du serpent. En fait, ça fait le nez. Un œil est ici, l'autre œil, donc un trésor est ici, l'autre trésor est certainement en dessous sur le pied. Et on peut considérer ce marqueur, ce repère à trésor, comme une œuvre d'art. Pendant la période du président Marcos, un groupe de Philippins, chasseurs de trésors, ont trouvé un Bouddha en or qui faisait 3 pieds de haut et 800 kilos d'or pur. La tête se dévissait et à l'intérieur, ils ont trouvé des diamants, toutes sortes de pierres précieuses. Il y a eu des fuites. Les gens du président Marcos, les services secrets, ont réussi à localiser les gens, à prendre le vrai Bouddha. La personne qui l'a trouvé s'appelait Roelio Rojas et il est mort il y a 2 ans, mort mystérieuse. Les compagnons de Rojas D'ailleurs, toutes ces personnes ont été en prison, ont été torturées, certaines ont été assassinées. Actuellement, aujourd'hui, il ne reste qu'une personne du groupe qui avait trouvé le Golden Bouddha. D'abord, dans l'histoire du Golden Bouddha, les gens ont creusé, ont trouvé un tunnel. Dans ce tunnel qui avait été dynamité par les Japonais, je crois qu'il y avait 200 ou 300 corps de Japonais exécutés et 40 igorotes exécutés aussi. Et souvent, il y a eu souvent les prisonniers de guerre, les Philippins et toutes sortes de personnes ont participé à l'enfouissement des trésors et ont été exécutés. Pas de témoins. Arrivé dans ces montagnes en 1983 à la demande d'un ami français qui m'a proposé de venir aux Philippines pour l'aider à acheter des antiquités et en même temps lui servir de garde du corps puisque je pratiquais à l'époque les arts martiaux. J'ai sympathisé avec les gens des montagnes, nous avons acheté des antiquités et au bout de 6 mois, mon ami m'a dit, bon, je vais retourner en France. Il n'est jamais revenu. Donc, je me suis retrouvé dans ce pays sans argent, ne parlant pas l'anglais, encore moins le dialecte des Igorotes, des Philippins. Donc, j'ai survécu plus de 2 ans avec les Igorotes dans les montagnes Provence. Si je me souviens bien, c'est en 1983 que j'ai vu Jean-Paul pour la première fois, avec un groupe de Français. La première fois que Jean-Paul est venu ici, et qu'il est resté avec moi, nous pouvions à peine nous comprendre, parce que je ne parlais pas français, et il ne parlait pas un mot d'anglais. Je ne parle pas français. Il ne parle pas aussi français. A single English word. So, alors, pour nous comprendre, nous parlions par signes. Nous étions comme des sourds-muets qui parlent avec des signes. Mais au moins, on s'entendait bien. And,
At least we went along well. En restant avec nous, Jean-Paul a dû vivre selon nos traditions. Il a dû manger ce que nous mangions. Il a dû boire ce que nous buvions. En fait, Jean-Paul s'est bien intégré dans notre village. Tout le monde ici le connaît bien. Tout le monde connaît l'histoire de son arrivée ici. Everybody here knows him very well. The story of how he came here, everybody knows it. Pour en venir au fait, nous sommes partis tous les deux à la recherche de trésors parce que pendant la guerre, les Japonais avaient établi une garnison dans notre propre village. Les Japonais connaissaient déjà la région qu'ils avaient occupée autrefois. Alors, on a commencé notre chasse au trésor dans l'ancienne garnison des soldats japonais. Nous avons passé près de 6 mois à chercher le trésor, à mettre au point une méthode. On n'avait pas de détecteur, mais on travaillait à partir de signes. Avant nous, d'autres gens du village avaient fait des fouilles sur le site en question. Tout le monde creusait partout. Les Igorodes sont les habitants des montagnes, peuple guerrier. Anciens coupeurs de tête, ils mélangent l'animisme et le christianisme, adorant aussi bien le dieu du riz que la Vierge Marie. Peuple fier, ce sont les seuls Philippins à ne pas avoir été colonisés ni par les Espagnols ni par les Américains. Oui, alors ici c'est un atto où tous c'était la place où les guerriers se réunissaient pour prendre une décision pour partir en guerre. Pendant la guerre, ils ont capturé 2 Japonais, dont un sergent et un officier, certainement capitaine. Bon, et avec tout le rituel, ils leur ont coupé la tête. Les têtes se trouvent en dessous des pierres. Et ils ont mis ces pierres parce que ça dure plus longtemps que le bois, c'est permanent. Then the ladies will come around and dance with us. And we'll bring out our gun. À Hongdoan, là même où s'est rendu le général Yamashita aux Américains, le colonel Niwani, responsable du génie militaire dans les montagnes, lui-même grand chercheur de trésors, nous explique la fin de l'occupation japonaise en 1945. Ce que je sais des trésors de Yamashita, c'est que lorsque Yamashita est arrivé aux Philippines, il avait traversé d'autres pays, comme la Thaïlande, la Birmanie, l'Indonésie, et d'autres nations du continent asiatique. Il avait amassé sur le chemin de nombreux trésors qu'il apporta aux Philippines. En 1945, débarquant aux Philippines, le général MacArthur, à la tête d'une armée américaine de 200 000 hommes, voulut effacer l'affront subi à Pearl Harbor. De leur côté, les Japonais opposèrent une résistance farouche. A strong point is knocked out. A Jap gives himself up. Malgré l'explosion de la bombe d'Hiroshima le 6 août 1945, le général Yamashita ne se rendit que le 2 septembre dans la région de Kiangan. La résistance philippine participa aussi à ces combats. 20 000 Igorotes périrent durant les batailles dans les montagnes.
American GIs received the ceremonial swords they had intended. Arrêté et jugé responsable d'atrocités et de crimes de guerre, le général Yamashita sera fusillé sans avoir dévoilé le secret des caches de son énorme butin, fruit du pillage de 32 pays asiatiques et évalué à plus de 6 milliards de yens. Durant son séjour aux Philippines, le général Yamashita a fait porter la plupart de ses trésors dans les montagnes, vers le nord de Luzon, en traversant les plaines de Manille pour gagner les Mountain Provinces. Alors ici, une autre marque, c'est la forme d'un pied. On voit bien que c'est le pied gauche. Pour mettre à l'abri leur butin, les Japonais ont utilisé aussi bien des bunkers, des caches inaccessibles, que des lieux tabous comme les grottes de Sagada, sépulture des Igorodes depuis plus de 800 ans. Ici, on se trouve dans les caves de Sagada, caves qui servent de cimetière aux gens de Sagada depuis des centaines d'années. Et de nos jours, quelques vieilles personnes continuent à se faire déposer leurs dépouilles mortuaires dans les caves de Sagada. Déjà, moi, je crois aux esprits. J'ai eu plusieurs expériences. Alors, vaut mieux respecter. Premièrement, le respect des endroits comme ça. Et puis, on respecte aussi les gens. Et puis, je suis pas chez moi, ici. Je suis obligé de faire avec les gens. C'est plus ou moins secret. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on sache qu'ils creusent. Il y en a qui vont creuser la nuit pour pas que les autres les voient. Il y en a qui ont honte de creuser et il y en a qui ont peur. Voilà. En fait, c'est ça. Donc à l'entrée de cette grande cave, j'ai vu certains signes. C'est très difficile à creuser ici, puis de toute façon, on ne pourrait pas le faire car c'est un endroit sacré. Donc vaut mieux oublier.
ici nous sommes à Batad, la cascade de Batad. Ici je peux vous dire qu'il y a des trésors japonais. C'est pourquoi, car les japonais croyaient que trois aux esprits aux chutes d'eau, dans les torrents, dans les rochers, les arbres. Donc c'est assez facile de repérer ces endroits à trésors. Il suffit d'observer quelques rochers ici. Certains ont des signes bien caractéristiques, des marques, parfois des têtes d'animaux, de lézards, d'oiseaux ou de tortues. Dans ma vie, j'ai toujours été seul, hein. Même si j'ai eu beaucoup d'amis, mais même si on a beaucoup de personnes autour de soi, on est toujours seul en fait, hein. Si on doit prendre une décision dans la vie, on est le seul à prendre la décision. Donc, on réussit ou alors on morfle, on paye. Je me suis vraiment retrouvé tout seul avec un peu au Moyen-Âge, seul avec des gens qui parlaient, on parlait pas la même langue, pas la même nourriture, pas la même culture. En fait, ce que j'ai fait, ben, je l'ai fermé, j'ai observé les gens, j'ai essayé de les suivre et j'ai découvert une certaine philosophie de la vie ici aux Philippines. Et j'ai souvent été confronté ici avec la mort. Ici, tout le monde est chasseur de trésors, même le chef des rebelles, un ancien prêtre, le père Balweg, célèbre dans le pays pour sa lutte armée contre le dictateur Marcos. En 1979, j'ai décidé d'arrêter d'être un prêtre et d'entreprendre une véritable révolution dans ma façon de servir ma communauté. De 1979 à aujourd'hui, et mon œuvre est loin d'être terminée. Que pensez-vous de l'histoire légendaire du trésor de Yamashita ? Qu'en pensez-vous ? Vous croyez que c'est vrai ou pas ? Je suis un historien révolutionnaire, tout comme je suis archéologue et chasseur de trésors. Alors, du point de vue d'un chasseur de trésors et d'un archéologue, il y a dans la majeure partie du pays des trésors historiques enterrés, tant du point de vue de l'archéologie que de la chasse aux trésors. As far as our archaeological and dowsing research is concerned. Le père Balweg n'a pas voulu nous dire s'il finance sa guérilla avec le trésor japonais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à Hung Duan, les vieux Igorotes en savent plus qu'ils n'en disent. En 1943-45, les montagnards ont fui les Japonais dans la jungle et ont espionné les agissements des envahisseurs. Les secrets se sont transmis de père en fils. Et ses fils font souvent appel à Jean-Paul pour les aider à creuser. L'histoire de ce trou, il y a quelques années, un homme et une femme, le mari et la femme,
la femme a rêvé qu'on avait vu un trésor. Le qu'un esprit lui avait dit, le trésor est là, il faut le chercher, il faut le creuser. Et ils ont creusé pendant un an. En fait, là, j'ai essayé de descendre parce qu'on aurait pu continuer à dégager pour vérifier quelque chose, mais il n'y a qu'une personne qui peut aller dedans parce que c'est très difficile pour descendre, c'est très difficile pour remonter. Et au fond, le trou, une partie du trou est bouchée par de la boue et c'est des sables mouvants. Oh, il y a des crapauds aussi, les crapauds sont grands comme ma main. Everything go down this time is not possible. We work. It's very dangerous. If two people go here, the first she take many stone in the head. Durant ces deux premières années où je suis resté avec les Igorotes, dans les tribus Igorotes, qui sont d'anciens chasseurs de têtes, en fait, ce sont des gens très, très sympathiques, très gentils, et qui font très attention à vous. Et au fur et à mesure que ces mois et ces années ont passé, je me suis aperçu que j'avais changé, j'allais dans la montagne, j'allais un peu partout, et je me suis aperçu que j'avais oublié le temps. Je ne savais même plus quel jour on était, quel mois. En fait, je vivais... c'est assez spécial à raconter, mais en fait, j'étais libre. Je pouvais faire ce que je voulais, je pouvais me lever à n'importe quelle heure, je peux me coucher à n'importe quelle heure. J'étais libre. Et petit à petit, je me suis senti comme chez moi dans ce pays. Petit à petit, j'ai continué ma recherche des trésors. J'ai pu rencontrer des tas de gens. Des gens très intéressants, parfois des gens bizarres. Aussi, des fois, des gens dangereux. J'ai dû me mettre à la nourriture des montagnes de province chez les Igorotes. Nourriture qui est très différente de la nôtre. J'ai dû manger du chien. C'est bon. Dans d'autres provinces, j'ai dû manger, parce que je l'ai bien voulu, hein. Bon, j'ai goûté du lézard, du serpent, du singe, des œufs de fourmis, des hannetons frits avec du piment, c'est pas mauvais, ça craque sous la dent. Donc, je me suis adapté à cette vie qui est vraiment différente. Jean-Paul a mis plusieurs années à gagner la confiance des vieux montagnards qui se méfient surtout des Blancs et des Japonais. Chez ces vieux, comme José, ancien coéquipier de Jean-Paul, le souvenir de l'occupant japonais est toujours très présent. Mais des gens de la région ici ont déjà trouvé des trésors. Vous en connaissez l'histoire ? Je sais, des guérilleros philippins. Ils venaient des Mountain Province, mais ils avaient été détenus par les Japonais. Les Japonais leur avaient dit de porter leurs bagages, et ainsi, les Japonais ont pu enterrer un trésor. Et puis ils sont revenus ici. Des gens de l'extérieur ? Non, pas de l'extérieur. Ceux-là même qui avaient creusé. Quand ils ont été relâchés, ils sont allés chercher des gens de Bontoc pour les amener à notre village et chercher le trésor. Des gens de Bontoc. Ils sont venus ici pour prendre part aux fouilles. To see here, to come like. Are we back? Are we back again? Okay. Bye bye. Bye bye.
Ok. It's my friend. My friend, like Jan Paul. Jan Paul the second. Après 3 ans d'apprentissage, Jean-Paul devient chasseur de trésors professionnel. Il a trouvé sa voie. Il ne lui reste plus qu'à convaincre des financiers, d'abord philippins puis étrangers, d'investir dans son savoir, sa technique. Les financiers sont souvent des gens riches de manie ou des industriels qui ont investi dans l'achat de cartes. Ils payent très mal des équipes qui vont passer des mois à creuser dans des conditions très dures. En cas de réussite, les équipes se partageront 50% du trésor. En creusant au bord de la mer à Dingalan, il finit par s'installer dans un village de pêcheurs où il se marie avec une fille du pays dont il a un enfant. Quand la guerre a commencé, les Japonais sont venus ici avec plusieurs gros bateaux pleins d'or, spécialement sur cette ligne parce que les bateaux peuvent passer qu'à cet endroit-là, car les fonds de corail sont assez hauts et les bateaux ont pu s'approcher jusqu'ici et ont pu décharger la cargaison d'or. Donc ce qui fait qu'il y a les trésors qui ont été enfouis dans la mer, sur les plages, dans les montagnes, toutes ces montagnes, et la route qui va à Kabanatuan, de Dingalan jusqu'à Kabanatuan, San Rosé et jusqu'à Banaoué. Alors les gens ont creusé à l'intérieur de la cave et ils se sont dirigés, sont en dessous la mer. But no water under this. Ils sont dans la roche et en dessous la mer. Because it meant also very... Là c'est dingue, je ne m'amuserais pas à faire ça. Yeah. But we going... Allez. Une partie de la flotte japonaise en déroute a été coulée ici même. Plusieurs équipages ont réussi à cacher le long de la côte, dans des grottes, des armes et le plus lourd de leur butin. Le travail de fouille y est très difficile et très coûteux. Il faut tout apporter par bateau, du groupe électrogène aux pompes à eau et à l'explosif. Et il faut faire vite, avant que la saison des pluies n'arrive. Il y a 3 ans, on a découvert cette cave qui était bouchée par un rocher. On a enlevé le rocher de l'entrée, et puis la cave était comme ça. On a commencé à creuser ici. On a trouvé une barre rectangulaire, une barre de métal avec des numéros, et un tube en métal. On a creusé ici, puis après, on a abandonné. Mais enfin, je continuerai ce projet quand j'aurai un bon financement. Et je reste toujours avec des groupes philippins. J'aime pas travailler avec... Avec les étrangers, j'ai déjà travaillé avec des Américains, Australiens, Japonais, ça va pas. Les gens, les étrangers, c'est-à-dire les Européens et même les Japonais, sont très agressifs.
avec les Philippins. On ne peut pas travailler dans des conditions comme ça. Je préfère rester seul avec eux. Ils me connaissent bien, ils me connaissent bien. Et... Nous sommes toujours Dingalan Bay, sur les hauteurs de Tanawan. Et ici, la vieille route, c'est-à-dire que les Japonais, pendant la guerre, ont fait cette route qui est en bas. Bon, aujourd'hui, elle est détruite. Et en fait, elle a servi de point de repère pour les trésors, pour les cartes des Japonais. Car il y a certains signes, marqueurs, pierres autour de cette vieille route. En bas, j'ai creusé avec l'ingénieur Abelia. Nous avons passé presque un an. Nous sommes descendus jusqu'à 20 mètres et nous avons dû abandonner car le trou s'est effondré. Alors ce trou en bas, c'est un groupe de Japonais qui est venu l'année dernière avec une pelleteuse. Bon, ils ont creusé 7, 8 mètres, 10 mètres et puis ils sont partis un peu plus loin. En fait, leur technique, c'est ils viennent ici, ils demandent des renseignements aux gens, une histoire et ils creusent un peu au hasard. Alors moi, j'étais étonné parce que ce projet, il est très bon, mais seulement faut aller très profond. Ils ont touché aussi un autre projet qui appartenait à mon groupe, on a laissé faire. Ils ont creusé au bon endroit, mais ils n'ont pas continué. Et ils ont eu quelques problèmes avec la population, et après, j'ai fait une petite enquête. Et en fait, ces gens étaient des yakuza qui touchaient un bon paquet d'argent. Et je sais pas, il y a une espèce de magouille, il y a des gens comme ça. Ils ont été un peu partout, du côté d'Aurora Province, du côté de Nueva ECA. Je les ai suivis par d'autres personnes pour savoir quel genre de personnes c'était. Parce qu'il faut, quand on est chasseur de trésors, il faut savoir à qui l'on a affaire. Bon, ici, j'avais quelqu'un que je connaissais, puis un jour... Il venait souvent me voir pour les trésors, parler de ce que je faisais, on parlait de projets. Et puis un jour, il s'est fait assassiner ici, à coups de coupe-coupe. Et la personne ou les personnes ont mis le feu dans la maison, certainement pour cacher des indices, des trucs comme ça, et plus rien. Il ne reste plus que ça de ses gamelles, de sa maison. Bon, on va aller voir un peu plus loin, là, juste à côté. Alors bien sûr, je suis toujours la vieille route japonaise. Alors ça, c'est un de mes projets en 1987. J'ai creusé avec un groupe. Alors c'est d'après l'information d'une personne. Voilà, nous nous sommes mis à creuser ici parce que notre point de repère était ce rocher. Et à l'époque où je creusais, je ne connaissais pas tout ce que je connais aujourd'hui. Et après avoir vérifié, quelques années après, en fait, le projet est ici, mais très, très profond. L'attaquer par ici, on n'y arriverait pas de toute façon. Il y a des problèmes d'eau qui arrivent après 7-8 mètres, les éboulements et... Non, il faut passer par la voie secrète. J'ai une histoire amusante au sujet des pitons. Un ami philippin qui vit dans la forêt m'a dit si un jour il y a un piton qui se prend un arbre et il essaye de t'attraper la nuque, tu le mords. Tu l'attrapes la tête, tu le mords. Mais comme je lui dis, le problème, si c'est un serpent qui est gros comme ça, ça peut encore aller. Mais les têtes de piton, elles sont comme ça. Alors pour le mordre... Depuis un an, Jean-Paul travaille avec un nouveau groupe dirigé par l'ingénieur Abeya qui depuis plusieurs années achète des cartes à des Japonais ou même à des Américains. Yes, more than 10 years. You can talk to him. Yeah, I see him last time, but I don't ask for this. Voici la carte de l'armée américaine, de la division qui a fait l'exercice de campagne quand ils sont venus aux Philippines. 1984 84.
Quand ils sont arrivés, ils se sont déployés sur toute la côte. Et voici la carte qu'ils utilisaient. Et les gens ici se sont aperçus qu'il y avait des manœuvres, mais en fait, il y avait des groupes de militaires américains qui s'en allaient creuser dans certains endroits. Et pour ça, j'ai suffisamment de témoins ici pour raconter cette histoire. Alors ça, c'est Dingaland Bay. Et les Américains utilisaient cette carte, et un groupe d'Américains a perdu la carte. Ils en ont fait une photocopie. What place you... Où creusez-vous cette fois-ci ? On creuse ici, dans cette région. Juste ici. This one. Oui. Alors, normalement, aujourd'hui, on aurait dû démarrer le projet, mais il y a un autre groupe qui est arrivé avec un bulldozer et un gros générateur. Alors, en ce moment, on est en pleine discussion. On a envoyé quelqu'un parler au maire et avec des barangay captains, des chefs de village des alentours. Et je pense qu'on peut trouver un agrément. J'ai commencé la chasse au trésor lorsque j'ai fait partie d'un groupe d'étudiants envoyés à Baguio pour étudier à l'Institut technologique. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré un Japonais dont le père était officier durant la guerre. Il m'a parlé des trésors des Philippines. Et quand il m'a montré la carte authentique, j'ai compris que je devais absolument partir à la chasse au trésor. Voilà comment j'ai commencé. C'était, je crois, en 1985, non ? C'était en 1988, quand je suis allé en Nueva Vizcaya. Nous y avons creusé et nous avons fait mouche là aussi. Bien que la récolte fût maigre. Sur ce coup-là, j'ai eu seulement des parts. 9 ou 10 kilos. 9, quelque chose. Mais quand le gouvernement a eu vent de l'affaire, qu'on avait trouvé de l'or, ils nous ont poursuivis. J'ai donc dû m'enfuir et errer d'un endroit à l'autre. Cebu, Gabaldon, pendant près de 2 ans. Jusqu'à ce que je dépense tout l'or que j'avais récolté. Until such time that all the... Plus d'argent. Alors je suis revenu à la chasse au trésor. Au trésor Yamashita. We go outside now because be careful. Hein? The papers we give me about the treasure hunter. The papers is careful. Malgré les conditions de vie difficiles, l'intégration de Jean-Paul est totale. Instinctivement, il a choisi la meilleure façon de survivre, se fondre dans le décor, aimer et vivre comme les Philippins. C'est comme ça, hein, c'est pas du gâteau. Faut pas perdre l'espoir, il faut se battre, il faut pas être une crapule. La chose importante dans la vie, faut pas être une crapule, aussi bien dans le business, dans ce genre de trésors. Parce que dans les trésors, il y a des escrocs, il y a toutes sortes de gens bizarres. Certains amis philippins m'ont dit, oh Jean-Paul, les Philippins, si c'est tes amis, ce sont les meilleurs amis. Mais si c'est tes ennemis, ce sont les meilleurs ennemis. Et j'ai bien retenu la leçon et je me suis trouvé souvent, j'ai souvent fait face à des problèmes dangereux. Mais surtout, faut pas s'énerver, faut prendre à la rigolade, faut négocier.
Tomorrow, you come back again? Yeah, tomorrow morning, if the weather is good. Oh. Okay. Okay, bye-bye. You have beer? Beer. Deux fois, on a essayé de m'éliminer. Ça n'a pas marché. Une fois, ils ont mis le feu à mon camp pendant que j'étais en train de dormir. Alors, j'ai perdu toutes mes affaires et aussi les affaires de mes compagnons, ceux qui creusent. Et puis, une autre fois, ils ont essayé de me faire une sorte d'embuscade dans un village, m'inviter à boire et me sauter dessus. Mais comme je le savais, j'y suis allé. Il y a un type qui a essayé de... qui s'est battu contre moi, puis de toute façon, il a perdu. Bon, il y a 3 ans, j'ai commencé un projet derrière, et puis un projet très intéressant. Donc j'ai trouvé, à 3 mètres de profondeur, j'ai trouvé des tubes en ciment, mais j'ai pas pu continuer car j'ai eu un problème du côté du financier. Et j'ai fait la connaissance de Victor. No people, no. But I know, but I cannot take it because it's hard. He has one. Yes, one technique to. Hard to check after. This is because this tunnel is for me too much high. This is only decoy. Okay. I know this is too. Alors, c'est japonais, 1900. Ils ont commencé ce tunnel en 1942 et il a été fini en 1944-45. C'est un très grand tunnel, on va aller à l'intérieur. Il y a combien d'années que vous avez découvert ce tunnel? Je l'ai découvert en 1986. Is light natural, this one. À cet endroit, il y a un groupe d'Américains qui est venu et qui a trouvé une boîte pleine de barres d'or. Je sais que les Japonais sont des gens très intelligents. Peut-être que ça désigne la porte extérieure, si ce n'est pas d'autres gens qui l'ont fait. Ici, donnez-moi votre pendule et je vais vous montrer comment il va bouger. Ce pendule fera l'affaire, seulement seul. Vous allez le voir bouger. Pas grand-chose. Là, je conçois la structure. Maintenant, celui-là, vous voyez? 1, 2, 3. Si on passait une journée à vérifier, on pourrait avoir bien des surprises. 1, 2, 3. Et si vous... Pas de problème. C'est grand. Vous voyez? C'est comme des yeux. Celui-là aussi. Mais il faut chercher par ici. On a besoin du nez. Ici, il y a quelque chose d'important. Peut-être pas l'or, mais peut-être un autre tunnel. C'est mieux d'avoir un générateur ici. Ce tunnel, c'est du costaud. Ok, we go outside. On ressort. Alors, le propriétaire de ce terrain était quelqu'un de très, très pauvre. Et puis un jour, il a creusé ici, là, et il s'est ramassé 2 tonneaux d'or. Quand il a creusé ici, il ne soupçonnait pas qu'il y avait de l'or. Il creusait ici pour faire une fosse sceptique. Et puis il est tombé dessus. L'histoire est amusante et j'ai eu beaucoup d'histoires comme ça. Si vous êtes chasseur de trésors, vous allez essayer de trouver des trésors, vous trouvez pour ainsi dire jamais. Mais il y a des gens, alors lui, il a fait la fosse pour les WC. Il a creusé et il est carrément tombé sur les drums et voilà. Les terres et le cochon sauvage. Avec,
Oui, you are sure you have some... Vous êtes certain qu'il y a une dalle de ciment là-bas? Oui, c'est un Adoumagat qui me l'a dit. D'ailleurs, lui aussi, c'est un Adoumagat. C'est le chef du village juste avant. Enfin, les pluies se sont arrêtées. Jean-Paul et l'ingénieur Abeya peuvent reprendre leur fouille commencée il y a déjà 6 mois. This is the marker, this is a good marker. You see the cut? One thing here is like doctor with one hand. Le 26 janvier 1996, Jean-Paul et son équipe ont trouvé à 6 mètres sous terre une dalle de ciment de 80 cm sur 2 mètres. Maintenant, le plus dur et le plus passionnant reste à faire. Ils en ont pour plusieurs mois de travail. Come out there.